Bon, je te demande, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest 11. Nous allons attaquer l'épisode 12 et nous devons aller au palais du sultanat. Oui, oui, oui. Non, c'est bon. J'ai déjà sauvegardé, c'est gentil. Palais du Sultan. Pas des chats. Minou minou. C'est vraiment des hiéroglyphes. Il y a un livre intitulé Le pouvoir de l'optimisme, manuel du parfait souverain. Scam le prend. J'en ai vachement besoin actuellement, enfin. Avec un autre bouquin quand même. Tout le monde a déjà entendu dire que pour devenir un souverain respecté, il fallait en permanence faire preuve d'optimisme. Et c'est vrai. Qui aura envie de suivre un homme mélancolique et indécis? Personne. Alors chassez toutes ces pensées négatives et positives. Allongez-vous sur le dos, admirez le bleu infini des cieux et sentez vos soucis se volatiliser. Ce ne sont que des petits désagréments sans importance. Dites adieu à votre ancien vous pessimiste. Un ami radieux et optimiste vous attend. Alors foncez vers lui sans hésiter. Je crois que j'aurais besoin de ce bouquin. Un livre ancien, les reliures et très usées, Scam arrive péniblement à distinguer les mots. Écrit de Tristan, Les secrets de la flamme, sur la couverture vieillie et abîmée. Il essaie de lire une ou deux pages, mais quelque chose lui dit qu'il n'est pas tout à fait prêt. Chapeau plume. Épée large de fer. Fleur de pisé rouge. Jeune homme. Qu'on appelle l'angeuse homme s'est échappé des lieux d'or et sénateur à travers tuer les rats. Quel monde effrayant. Mais il ne doit pas avoir peur. Le chevalier de Gallopolis nous protégeront, j'en suis certaine. Père de Barésie. Il y a ici que ressemble à un journal. Sur la couverture, on peut lire les progrès du prince Faris. Scam le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. 21e jour, aujourd'hui mon prince bien-aimé retourne à ses cours d'équitation. Lorsque je le vois s'entraîner jour et nuit afin de devenir le meilleur dirigeant possible pour les nobles chevaliers de Gallopolis, cela m'emplit
d'espoir pour l'avenir radieux que connaîtra sûrement notre royaume. Le quatrième jour, aujourd'hui, mon prince bien-aimé a quitté le palais pour aller discuter dans la rue avec les gens du peuple. Il tient à étudier par lui-même la manière de vivre de ses sujets. Quel jeune homme sage et bienveillant. Je suis certaine qu'il deviendra un jour un très grand sultan. Paris. Mais il me semble... Non, ils ont pas... Petit clin d'œil à FF5 avec Faris. C'est pas bête. Faris, effectivement, ça fait un petit clin d'œil à Faris de FF5. The weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, and never retreats in the face of adversity. Yes, very good. The Knight's Pledge must always be your guide, my son. Tomorrow's race shall prove it. You must show your people that you are worthy of their adulation. Fear not, beloved father. I shall disappoint neither you nor they. Stranger, and what brings you to Gallopolis? Qui est venu à Gallopolis en recherche d'une mystérieuse branche. Surely he speaks of the rainbow. It is the only treasure of our kingdom that would warrant such a description. Oui, c'est ça. I believe I can assist you, friend. Visit me in my chambers at the foot of the great staircase. I shall await you there. Ok. Ouais, ça change pas, il me fait beaucoup penser à Faris de FF5. Même s'il a le même prénom.
Rombard. Ah non, ça me dit sur toi. Donc ça doit être le appartement du prince. Ah, you came. Thank you. Yes. Your height and physique are perfect, and you have the face of one who knows horses. You should be aware that the branch you seek is a priceless royal treasure. My father is unlikely to give it away freely to some wandering stranger. Mm. However, he might be persuaded to part with it if the request came from his beloved son. I have. But the palace walls have so many unwelcome ears. Ah, the noise of the circus will. Wait, is it? Privacy. Then it is agreed. I will meet you at the entrance to that ridiculous tent this evening. Okay. Ok, je vais te rejoindre. Ah non, je pensais que c'était autre chose. Ah, faut que j'aille à l'auberge. Bonjour. Tu es venu, excellent. Le bruit du cercle nous permet de parler sans discipline et si on montrait. Bien, le spectacle a déjà commencé de devenir intéressant. Gentlemen, boys and girls, it's time for the act you've all been waiting for. The wandering wonder who amazes audiences wherever he goes. Prepare yourselves for an experience like no other. Prepare yourselves for the great Sylvando! Sylvando. Mm-hmm.
Là. Boule. Gentlemen, please! There is no need to be afraid! The great Silvando will never endanger his adoring audience. After all, darlings, you are the ones who make this show so special! I love you all! Thank you! Thank you! Quickly, we must talk while the people are distracted. And please, not a word of this to anyone. D'accord, je dirai rien. Now, as you may be aware, the Sun National is the most important event of the year here in Gallopolis. Mm-hmm. And tomorrow, I am due to make my debut in the race to end all races. However, there is a problem. One teeny tiny... Tu sais pas monter à cheval. I cannot ride. In fact, I have barely so much as sat in a saddle. Aïe. I have so far been able to hide this unfortunate fact, but if I were to take part in the race, the inconvenient truth would surely be uncovered. And yet, I have no choice! For a prince of Gallopolis not to take part in the Sun National on the year of his coming of age is unthinkable! Unthinkable! Ouais, en gros, j'ai participé à ta place. So you see, your coming here was fated! It is a sign! The forces of destiny mean me to use you as my double! Ta-da! Your double? How's that gonna work? Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? The fates have provided that also! For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from view! Oh, please, please! I beg of you! You must help me! You must enter the Sun National in my place! You are the most pathetic excuse for a prince I've ever seen! If you think we're going to help you lie to your people, you've got another thing coming. Is that so? Then I assume that your need of the rainbow is not so great after all. Traître. Wow. Talk about shameless. Call me what you will, it changes nothing. You will do as the fates wish and take my place in the race? Yes? I knew you would see sense in the end! Thank you. I will talk to my father about the rainbow as soon as the race is over. You have my word. Mm-hmm. I took the liberty of arranging rooms for you at the inn. Rest well. I will see you in the stables, bright and early. You will find the stable entrance in the western part of the city. Do not be late. Now, I must be on my way. Farewell, friends! C'est bizarre. Que prépare Silvando? Je n'ai pas trouvé le spectacle si incroyable. Aujourd'hui, c'est le Game Royale et encore un moment encore festif. Les rues sont déjà très animées. Oui, tu cherches la loge royale? C'est bien évidemment la plus belle salle des écuries. Elle se trouve à l'est du paddock. Amuse-toi bien. Thank you.
mille fois où je commençais à me dire que j'allais vraiment devoir monter sur son cheval. Approche, la course va bientôt commencer. Et les crânes, je n'ai pas oublié ma promesse. Si tu fais comme convenu, je parlerai à mon père de cette approche. Ah oui. Dépêche-toi d'enfiler l'armure et le home aux armes de la famille royale de Gallopolis. Les crânes, ils tireront sans doute à merveille. Quelqu'un prend l'armure et le home du prince et s'en équipe. Bien qu'ils ont été fabriqués pour toi, personne ne doutera que tu n'es pas le prince de Gallopolis. Bon, la course va commencer. Ton cheval t'attend dehors. Une fois celle rejoint le paddock, le champ de course se trouve de l'autre côté. Après la course, retrouve-moi dans le passage qui mène au champ de course. Tu me redonneras le home et personne n'en saura jamais rien. Et n'oublie pas, tu es le prince de Gallopolis. C'est lui qui attend. Grand chose de ta part, ne me ridiculise pas. Oui. Hello, Gallopolitans. This is... Hooray! All hail, Prince Varys! It must be wonderful to be so popular, darling. But of course, you are used to it. Being a real live prince, huh? It's difficult. The name's Silvano, by the way. One of the other riders had a little whoopsie, so I had to step in at the last minute. But don't think I'll be going easy on you just because you're royalty. Where would be the fun in that? Try to keep up, little princey. Je vois pourquoi il va tricher. Allez. Voilà, j'ai gagné! Je sais pas pourquoi, je pense qu'il a triché.
Oh, magnificent! I hardly dare think that you might actually win! Now quickly, my public await! I shall take the reins from here. Fear not, my friend. I have not forgotten my promise. I will discuss the rainbow with my father, just as soon as my people have finished showering me with adulation! Ça va se voir que c'est pas lui. Praise the fates, our plan was a success. Le plan a fonctionné. Ah bah oui. Thank you. Merci, you have spared me great humiliation. I will go immediately to my father and ask about the rainbow. All hail, Prince Faris, pride of the desert, horseman extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a, c'est Darling, you are fabulous. It was enough to bring a tear even to my jaded eye. Wait, don't tell me you were... Surely you didn't let your understudy take the stage for the command performance. Oh, this is too good. Wait. But you do not understand the pressure I am under. A prince of Gallopolis who could not ride a horse is a disgrace to the kingdom. I did what was necessary for the sake of my people. And now, all can be forgotten. Yes? And there was silly old Silvando thinking that knights never retreated in the face of adversity. Silence! I am the prince of this kingdom, and I will not have a traveling jester lecture me on chivalry. A thousand pardons, your highness. Enter. The Sultan wishes to see you, your highness. Your magnificent display of horsemanship has pleased him greatly. Very good. I will come right away. My promise still stands. Come to the throne room in a little while. We will see what can be done about this branch of yours. Of course, too. So nice to see a royal with the common touch. You were wonderful out there today, darling. Maybe we'll get to share the stage again soon. Okay, okay. va voir sortir des cadres pendant la place lors du galop royal. J'aille chez. Ah, c'est ça, là, chez le roi. Le sultan. La caméra qui est devenue folle. Thank you.
humbled. All I have ever desired is to fulfill my duties as a prince and as a knight. Ah. Father, if I may, I have promised to assist these travelers. Would you permit me to explain? Gladly, my son. It warms my heart to see you aiding those in need. Truly, you have taken the knight's pledge to heart. Thank you, Father. The truth of the matter is that my friends here have come to Gallopolis in search of the rainbow. Well. Your Majesty, the beast has returned. It attacked one of our men while we were out on patrol. The Slayer of the Sands is back. Why must the accursed creature always appear on this, the happiest day of the year? I will stand for this no longer. I must dispatch my finest knights and ensure that the fiend never again returns to terrorize the Celestial Sands. But wait! My boy, the fates are speaking to us! Capturing the Slayer would be the perfect way to show your people what a fine knight you have become! Je crois pas que ça soit une bonne idée. What? Father! So many of our bravest men have confronted the creature and... Truly, it is the most able who are the most humble. But you cannot hide your true feelings. You are trembling with excitement. Non, non, ça a l'air d'être un fou, ça. This is your Donc, moment, non, je retire ce que j'ai boy. Dit. Que Faris. Capture the Slayer and take your place in history. But very well. Father, yay! I shall begin my preparations right away. Sans tarder, il faut que tu te dépêches. A thousand pardons. The rainbow will have to wait. Meet me in my chambers. Tu as demandé de prendre ta place, d'accord? T'es vachement lâche. J'ai lâché. Oh, 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 please, please, I beg of you, the Slayer of the Sands will tear me limb from limb unless you aid me. Have pity on the desperate. Oh, c'est bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Like a true desert knight. Seriously, can't you handle this on your own? J'y vais. Oh là là, pas de panique. Oh. No! No, such a thing is impossible. I am no knight. I neglected my training. Ah bah d'accord. I allowed my vassals to fight all my battles for me. Espèce de crétin. It is not my fault. I am an only child. I was coddled from birth and praised for the most insignificant of achievements. I did not wish to disappoint my parents or my people, so I found ways of seeming to fulfill their expectations without necessarily doing so. But the more I fulfilled them, the more their expectations grew, and now finally they expect the impossible. Oh, oh, it's so unfair. Il a même pas les yeux fermés quand il pleure. If you refuse to help me, I will be sent to my doom. Il met sanglots, and through no fault of my own. Take pity on your old friend. Oh, thank you. 10,000 thank yous. And fear not. I will speak to my father about the rainbow as soon as the beast is captured.
We must make preparations to depart immediately. I will await you at the castle gates. What a pathetic excuse for a prince. Goodness knows what will become of Gallopolis with him in charge. Pas grand chose, ma petite Veronica. Pas grand chose. Oh, we mustn't be so hard on him, Veronica. I'm sure it can't be easy growing up with everyone expecting so much of you. Bon, direction les parties sud. C'est certain que les tenues seront chargées. Tu as le dessus plein de dos en même temps. Ah, te voilà. J'ai donné l'ordre à mes hommes d'attendre l'extérieur de rempart. Tourne-nous là-bas dès que tu seras prêt. Ok, on va gérer. Disrespect, Your Highness, but how could you do this to us? You have volunteered us for certain death. Fear not, trusted retainers. We do not journey into the jaws of danger alone. Ha! Impeccable timing as always. Allow me to introduce our knights in shining armor. These brave adventurers have agreed to capture the Slayer for us. Now, the Beast's lair is said to be located deep within the Celestial Sands. The fastest route is through the checkpoint to the west. We march immediately for Gallopolis! Ils n'ont pas l'air très motivés. Room for a little one? Oh, I'd hate to miss a good beast hunt. C'est Lando. There's no such thing as a good beast hunt, friend. If I were you, I'd run along back to the circus. Well, aren't you just a lovely, patronizing little dear? Look, I'm worried about the half-wit prince getting himself killed. Can I come with you or not? Allez, viens. At least one of you has some sense. Lead on, darling! Mmh.
faut que j'aille vers la péninsule. Bon. Ah, c'est un invité. Ah, je comprenais pas, je suis de mon équipe. Non, non, c'est un invité. Ah, putain. J'ai zappé de me stuff. Ça a l'air très important. Desséché. Oui, je suis niveau 16 avec Serna. Ils sont partiels. Non. Je ferai les hexagrammes. Mm-hmm.
J'aurais pensé que... Oui, oh, le slime dans le jeu. Oh mais non! Reviens, petit slime d'argent. Victory. Oh, tristesse, il est parti. One for the good guys. Bon. Faisons la feu de camp. On va forger des objets. Ah, c'est le multi-réel voyage, c'est quand même posé, mais non, tout à l'heure, forgeons. La grosse attente avec 5, double ration. Ton ration permet de porter un coup unique deux fois plus puissant qu'un coup normal. D'accord. Ça, vous pouvez fabriquer. Bâton plus 2. Attends, je peux fabriquer une canne. Bâton de sorcier. Oh, c'est vrai qu'il y en avait deux.
Voilà. Oui. Oui. Ça, il est fait. J'en avais pas, de toute façon. J'ai pas de pur pourquoi, donc il n'y aurait pas pu. Perdre dans la chatresse plus 3. Rien du tout. Dix objets qu'à transférer. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Pardon, petit trophée, tu peux te décaler. Merci. C'était que pour les autres. Ok. Bon. Chapeau à plume. Donc tu restes au casque de cœur, toi. Tu as appétit à la rien. Tiens. Pas bon. Si, si. Ah. Je pouvais lui mettre un bouclier. C'est magique? Non, pas magique, mais...
Ouais, mais même sa puissance magique pour un pont, pas rentable quoi. Non, non. Ah non, faut attendre, attendre qu'il y ait quelques niveaux encore. Waouh. On va attendre. Voilà, elle est actuellement à la cave. La petite. La petite. On va attendre. Là actuellement, elle est baguette. Donc bon bah du coup on va garder ça. Ouais. Donc on va faire ça comme ça. Et on va. Ah oui. On va sauvegarder. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous parce que vous êtes chouette. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Ones. Les combattants de la destinée. Je vous dis salut, salut tout le monde.